Bonjour, bienvenue. Bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop fatigué, parce qu'en plus il fait un petit peu chaud dans la salle. J'espère que vous allez prendre autant de plaisir que nous sur cette présentation. J'espère que vous êtes couché moins tard que mon gros piqueur, que vous serez bien réveillé. J'ai peut-être un peu des cernes, c'est normal. Donc d'abord on va se présenter, hein, histoire de faire relativement simple et classique. Moi c'est Pierre Morvan, donc je suis de Zénith à Paris. Et moi, c'est Louis Tournaire, je suis de Zénith à Lyon. Alors, ce qu'il faut savoir c'est que notre journée de tous les jours c'est du DevBike, c'est du DevOps, c'est pas d'IA. C'est encore moins du front. Il y en a un peu là. Et du coup, vous pouvez poser la question, pourquoi est-ce qu'on vous parle d'IA? En fait, on n'a pas du tout vocation à faire ça. Mais en fait, je vais vous raconter un peu le pourquoi on vous parle de ça. Il y a quelque temps, vous vous rappelez, on était tous confinés. On pouvait se voir que par visio interposé, que par caméra. C'était un peu pénible. Et avec Pierre, un jour, on parlait justement des meet-up, du fait qu'on voyait plus personne, qu'on n'avait plus de présentation interactive avec des gens en face comme vous, là, des vraies personnes qui pouvaient nous faire des retours. Et ça nous manquait pour le côté humain et puis aussi pour les feedbacks. Parce que quand on fait des présentations, on a des feedbacks sur le fond, mais aussi sur la forme. Et on n'est pas des grands orateurs tous les deux, et on a quelques tics de langage, et notamment ça nous aide à progresser là-dessus. Et puis on est parti en s'amusant là-dessus. Et Pierre, à cette époque-là, il s'amusait un peu avec du machine learning, en fait, sur le son, justement. Et on s'est dit, si on faisait une présentation, quelque chose qui nous permettrait d'avoir des feedbacks sur nos tics de langage. Et vous imaginez bien que derrière, on a sauté sur l'occasion pour prototyper, pour faire un abstract. Et aujourd'hui, vous présentez tout ça. C'est pour ça que vous allez entendre parler de réseaux de neurones, de la représentation du son et de choses de ce genre. Et on va commencer tout d'abord par vous présenter des outils. J'ai oublié une petite chose. Notre démo, essentiellement, ça va être cette présentation. Voilà, il y aura peut-être une autre démo qui suivra. Voilà, parce que c'est un petit peu plus YOLO cette histoire. Et ça manque de sensibilité. Et voilà. Donc en gros, on a utilisé deux outils. L'outil un peu du fainéant, hein, que vous avez à gauche, c'est du clic-bouton, c'est sympa tout plein, machin. Alors, personnellement, je suis pas trop comme ça. Personnellement, j'aime bien savoir comment ça marche, j'aime bien foutre les mains dedans. J'aime bien mon Emacs. Il y a des gens qui aiment Emacs ici? Ouais, il en reste. Non. Et en gros, derrière, j'ai fait du Keras avec du TensorFlow. Et moi, j'ai choisi Teachable Machine en fait pour deux raisons. D'abord parce que j'avais pas envie d'avoir un débat avec Pierre sur Vim versus Emacs, et puis parce que Vim, on sait que c'est mieux, donc on va pas insister là-dessus. Ta 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 Tu ta ta vois? ta ta. Et puis parce que, Je ne valide pas. comme je vous ai dit, j'y connais pas grand-chose en fait là-dessus, même j'y connais rien. Je connais un peu plus maintenant, mais ça restait très limité. Et je voulais commencer à prototyper avec quelque chose qui est simple, qui marche d'entrée, qui ne me demande de rien installer sur ma machine. Et donc, Teachable Machine, c'est super. Il suffit d'un navigateur, et puis c'est terminé, on se connecte dessus, et on peut commencer à faire du machine learning, à faire de l'apprentissage et à exploiter ces modèles-là. Après, au final, ce qu'il faut voir, c'est que dans les deux solutions, qu'on attaque directement par le code ou par une abstraction de haut niveau, derrière, c'est du TensorFlow qui est utilisé. Et c'est la même chose à peu près au final, c'est les mêmes moteurs, c'est les mêmes principes. Et TensorFlow, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un système de machine learning sur des réseaux de neurones. Et donc justement, qu'est-ce que c'est que les réseaux de neurones? Parce que vous êtes là pour apprendre des choses, pas qu'entendre parler de Vim et de Emacs. Petite explication très triviale, très basique. Les puristes feront des bonds, mais c'est pas grave. Là, on est pour expliquer, pour vulgariser les choses. Donc, un réseau de neurones, en fait, c'est un système qui a plusieurs couches, plusieurs layers. Vous voyez là, il y a une couche couleur, il y a une couche forme, il y a une couche classification. Ces layers-là, ils sont composés de neurones. Sur la première couche de couleur, par exemple, on a 6 neurones. Ce système de réseau de neurones, pour l'exemple, il va nous permettre de reconnaître les fruits, en fait. Quelque chose de très basique. Donc, en entrée, il prend l'image d'un fruit. L'image d'un fruit, elle est propagée, elle arrive au premier layer. Le premier layer, on voit qu'il y a un seul layer qui s'active, pardon, un seul neurone qui s'active, c'est le neurone jaune. Lui, il va proposer l'information comme quoi, voilà, il y a le jaune qui s'est activé. Ça continue, ça arrive, cette photo arrive au layer suivant, le layer des formes. Et là, on va avoir deux neurones qui vont s'activer.
le neurone en forme de triangle et le neurone en forme de demi-cercle. Ça va arriver au final au dernier layer de classification, et le layer de classification, il va recevoir au final des informations comme quoi l'objet en question, le fruit en question, est de couleur jaune, et il y a deux formes qui matchent, il y a la forme de triangle et la forme de sphère, de demi-sphère. Lui, il va avoir plusieurs possibilités, il va avoir un espèce de dictionnaire, il va dire ça peut être une pomme, ça peut être une banane, mais la pomme c'est à 20%, mais c'est ridicule. La banane c'est à 95%, donc il va renvoyer au final l'information que ceci est une banane avec une probabilité de 95%. Et si on zoome un peu maintenant sur ce que c'est que le neurone. Donc le neurone, sa notion vient du neurone biologique. On va retrouver derrière les synapses, l'axone, et ces neurones vont être reliés entre eux. On a exactement le même concept côté neurone artificiel. On va avoir donc nos inputs, qui sont ici les X. On va avoir donc les poids associés, donc qui correspondent à nos synapses de l'autre côté, et un output. À l'intérieur de ce neurone, on va faire essentiellement deux opérations. Une opération d'input, qui va être exactement donc notre somme des poids par les valeurs. Et on va avoir une autre fonction, qui va être la fonction de normalisation, qui va nous permettre, à partir du résultat de cette somme, d'obtenir une valeur normée. Donc un des exemples simples, c'est si je suis supérieur à telle valeur, c'est 1, si je suis inférieur, c'est 0. Ça peut très bien être une valeur entre 0 et 1, etc., etc. Et maintenant, si on regarde comment ça s'instruit dans un modèle de machine learning, un vrai modèle de machine learning. Alors là, ce que vous avez devant vous, c'est le Hello World du machine learning. Donc c'est de la reconnaissance. Je veux savoir que le 5 a été écrit. C'est un 5. Voilà. Donc je vais retrouver 4 layers, comme vous l'a présenté Louis tout à l'heure. Je vais avoir mon premier layer ici, qui est mon layer d'input, qui correspond à dire, je prends mon image qui est en niveau de gris, je découpe ligne par ligne, et ensuite je viens aplatir ça, et ça va faire mon premier layer. J'ai ensuite mon dernier layer, le layer de classification, qui lui va me dire si c'est un 0, un 1, un 2, un 3, un 4. Et ensuite, je vais retrouver les deux layers de travail qui sont en plein milieu. Ces deux layers de travail vont nous servir à une chose. Ils vont nous servir à augmenter statistiquement à augmenter la stat de notre modèle de classification. Parce que le modèle de classification, c'est de la statistique. Ok. Désolé, j'ai changé. Et donc, comment est-ce que ça marche? Si on prend l'exemple là, je vais avoir mon 5. Il va rentrer donc, sur le premier layer. Là, je vais avoir mes poids qui, au tout départ, sont aléatoires. Je vais appliquer donc, la formule que j'ai appliquée tout à l'heure. Et je vais faire ça et traverser layer par layer jusqu'à arriver sur le layer de classification. Il y a une limite là. Et une fois que j'ai fait ça, en fait, on voit que mon 5, c'est un 0, un 2, un 5, un 6, un 8, un 9. Ah, c'est pas cool. Donc comment est-ce qu'on va arriver à justement faire que notre modèle identifie ça en tant que 5? On va utiliser un algorithme qu'on appelle l'algorithme de backpropagation. Alors, il porte assez bien son nom et on l'imagine assez facilement. Excusez-moi. En gros, une fois que mon 5 a traversé, je vais le faire revenir en arrière et je vais venir un à un ajuster les poids de façon à ce que ça soit identifié comme un 5. Et ça, je vais le faire un nombre de fois important, avec beaucoup de données différentes. Et toutes ces données, une fois que ça sera le cas, mon modèle statistiquement sera en capacité de reconnaître mon 5. Et je viens de vous dire que il faut beaucoup de données. Et beaucoup de données, si je commence à demander à Louis d'écrire 230 000 6, 230 000 5, et voilà, il va faire cette tête. Donc il y a peu de chances que j'arrive à le convaincre. Et par contre, dans les 40 dernières années, on a fait plein de trucs sur l'image, sur le son, sur la vidéo, des filtres. Vous avez tous vu du Photoshop ou autre. Et donc on va être en capacité de créer de la donnée. Et cette création de données, ça va nous permettre justement d'en avoir, parce que à proprement parler, toutes les images que vous avez là, celle-là on la voit pas très bien, mais toutes les images que vous voyez là, c'est un 6. S'il y a quelqu'un qui pense que c'est pas un 6, il peut lever la main. Et on va peut-être pas faire que ça, parce que on vous a dit, on n'est pas des experts, en tout cas du machine learning. Et donc on a fait aussi des choses de ce genre. Ici on a une boîte, cette boîte c'est pour essayer d'éviter la partie réverb des enceintes. C'est ce qu'on appelle en fait un peu du low-tech, pour isoler
le son qu'il ait plus une seule entrée et pas un petit décalage entre le son qui arrive des baffles et puis notre voix. Donc pour ceux qui se sont levés ce matin, il y avait dans la keynote un petit truc sur le sujet, on parlait de low-tech, de high-tech, donc on l'a fait un peu sans savoir, ce qu'on appelle du slow-tech. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi. C'est toi. Pense. Voilà. Okay. Et maintenant, ben on va essayer de voir, parce que je vous ai parlé d'images, beaucoup d'images, et comment est-ce qu'on transcrit ça avec de la voix. Parce qu'on vous a dit qu'on ben fait de l'audio, hein, ici il y a un micro. Donc, on est parti du postulat suivant. On s'est dit, bon, ben c'est quoi la voix? La voix, c'est une onde. Cette onde, ça se représente comment? Vous connaissez à peu près tout, je pense, la représentation sinusoïdale du son. Par contre, on a un petit souci. Ce petit souci, c'est que là, on a deux fois le même mot. Et je vous ai dit, on parle de statistique, on parle de modèle de classification statistique. Donc derrière, bah, on va chercher des similitudes. Ces similitudes, là, en tout cas, moi, je n'en vois pas, en dehors du bleu, du blanc. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bah, et si on appliquait un spectrogramme? Un spectrogramme, pour ceux qui connaissent les transformées de Fourier, c'est grosso modo ça. Et là, d'un coup, bah, on voit quand même pas mal de similitudes. Ces similitudes, on va pouvoir les extraire et ensuite les injecter dans un modèle plus classique comme je vous ai présenté tout à l'heure. Si j'ai mis en bleu le dernier layer, il y a une raison. La raison, c'est, on vous l'a dit, on n'est pas des experts du machine learning. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ce qu'on appelle du transfer learning. Alors c'est quoi le transfer learning? C'est dire, je prends un modèle existant qui est capable de reconnaître des bananes, littéralement, et ok. Et tout va bien se passer. Et donc ce modèle, je vais enlever son dernier layer, qui est le layer de classification, et venir le remplacer par un tout neuf. Et dans mon cas, bah, le tout neuf, il est là pour détecter du bruit ou ce voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va venir réentraîner uniquement le dernier layer, c'est-à-dire qu'il n'y a que les derniers poids qu'on va bouger. Et grâce à ça, on obtient typiquement ce que vous venez de voir. Alors, Pierre vous a dit, on va prendre un modèle existant. Là, concrètement, on a pris un modèle qui s'appelle le CNN, le Convolutional Neural Network. C'est un modèle qui est spécialisé dans justement la classification d'images. Donc c'est pour ça qu'on l'a pris, on n'a rien inventé. Donc on est parti sur ce modèle-là. Et juste pour donner un peu de contexte, en fait, ce modèle-là, c'est un modèle qui fait partie d'un sous-ensemble de modèles qu'on retrouve dans le deep learning. Donc c'est pour ça qu'on parle de deep learning. Il y a d'autres modèles qui existent. Il y a notamment l'ANN, le RNN. Donc à chaque fois, ils ont des usages particuliers. Nous, on s'est limité à ça et on n'a pas le temps non plus de creuser trop les autres modèles. Le deep learning, pour continuer de prendre un peu de hauteur, en fait, ça fait partie, c'est un sous-ensemble de ce qu'on appelle le machine learning. Général. Donc on a plusieurs typologies de machine learning, plusieurs façons de faire avec des historiques. Donc là, on est, nous, dans le deep learning, on fait du CNN. Et tout ça, c'est encore un sous-ensemble du vaste univers qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc, on fait de l'intelligence artificielle, mais on ne couvre pas du tout tout le périmètre, c'est un domaine très vaste. Tout ce qui est deep learning, en fait, c'est quelque chose qui est en œuvre depuis pas très longtemps. Les théories existent depuis plus longtemps, mais on ne pouvait pas le mettre en œuvre avant parce qu'on n'avait pas la puissance de calcul nécessaire. Aujourd'hui, on peut faire ça. Mais voilà, vous pouvez faire de l'IA avec plein d'autres modèles. Vous n'êtes pas obligé de faire du TensorFlow avec des réseaux de neurones. Il y a plein d'autres solutions, il y a plein d'approches qui couvrent des périmètres différents. Aujourd'hui, c'est deep learning qui est plus à la mode parce qu'il a pas mal d'avantages. Demain, ça ne sera pas forcément ça. Maintenant, je vais rezoomer, je vais revenir un peu en arrière sur qu'est-ce qui se passe en fait quand je parle pour que ça soit analysé. Pierre vous a expliqué que on avait la voix qui est une onde, qui est captée par le micro. Ce signal-là, en fait, on le transforme. Donc on applique une transformation pour avoir une image sur laquelle on peut chercher un motif. Simplement, quand je parle, moi, ma voix, c'est un flux de données permanent. Il faut que je cherche un motif particulier. Donc il faut imaginer qu'on a un espèce de bandeau d'images qui sont successivement collés bout à bout. Et dans ce bandeau-là d'images, on va analyser en fait une section, une frame de fin. Donc vous voyez sur la fin en rouge, là-bas, entourée en rouge, la section qui nous intéresse. Et sur cette section-là, on va rechercher à retrouver le motif qui correspond
à ce qu'on a entraîné dans le modèle, donc notamment le E, si ça va bien, voilà, il le détecte comme ça. Et comme ça, on a un modèle qui réagit, qui est capable de détecter certains sons. Maintenant, comment je vais passer du fameux E à la réaction sur les slides, et puis encore, ou au YOLO. Ça a marché aussi. Donc, pour faire ça, on a fait une présentation au format web. On a utilisé RevelJS. On pourrait utiliser d'autres choses, mais c'était le plus simple pour nous. Puis on n'est pas du tout des experts du web, donc ça a marché, on s'est arrêté là. On a pris TensorFlow.js, qui est une librairie en JavaScript qui permet de wrapper tout ça et d'utiliser des modèles de TensorFlow. Et puis on a fait un peu de HTML et JavaScript pour que ça marche à peu près. Concrètement, en quoi ça consiste? On fait les includes de toutes les librairies dont on a besoin. On commence par charger le backend. Le backend, ça va être notre moteur d'exécution, là où le modèle va être processé. Alors, nous, on a choisi le backend WASM. Il y avait du WebGL, il y avait du JS. JS, c'est s'il n'y a aucun système qui peut marcher, il ne faut pas l'utiliser parce que ça a des performances qui sont pourries. Donc, il faut utiliser WebGL ou WASM. Par défaut, c'est WebGL. Donc, comme c'était celui par défaut, on s'est dit, bah, tiens, on va essayer WASM, c'était plus marrant, juste pour le fun. Ça n'a aucun intérêt technologique, c'était juste comme ça pour tester, pour voir si ça marchait. Donc, on a chargé notre backend, on appelle une fonction d'initialisation. Cette fonction d'initialisation, elle va faire différentes choses, notamment, elle va nous créer un objet qu'on appelle le recognizer. Le recognizer, qu'est-ce que c'est en fait? C'est pareil, on va déléguer à l'API TensorFlow, on va utiliser la partie speech command, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la voix. Donc, il y a plusieurs API, il y a une API speech command, qui va être en responsabilité de charger le modèle. Donc, le modèle, on est en web, donc il est disponible via une URL, avec des métadatas qui vont correspondre aux différentes classes sur lesquelles on va réagir. Une fois que le modèle est chargé, on retourne notre objet recognizer. Notre objet recognizer, c'est du speech command, donc il est capable de traiter le flux audio. Donc il capte le flux audio du navigateur et puis il injecte dans son modèle pour le traiter. Il écoute du coup ce flux-là et puis il va réagir en fonction d'un certain seuil, d'un certain score. Et quand on va dépasser ce score-là, il va nous dire bah, tiens, voilà, là c'est telle classe. Donc les classes, c'est du bruit ou c'est du E ou encore autre chose, avec un score, une probabilité de que ça soit effectivement ça. Et nous, derrière, on va avoir un peu de JS pour, en fonction de ce que c'est, faire des interactions. Les interactions, c'est basique. Comme je vous dis, on est des vrais experts en web, donc on a fait une super feuille de style là-haut. Désolé, ça peut faire pleurer. Voilà, donc ça nous permet en fait juste, c'est une feuille de style pour dire ça va être en haut à droite, avec une petite div qui va utiliser cette feuille de style. Dedans, il y a un petit ID, en fait, c'est simplement pour qu'on puisse le récupérer en JS et derrière changer le contenu. Et puis ensuite, vous avez le format classique de RevelJS avec votre section slide où il y a les slides de qui sont là. Donc, vous voyez, rien de bien compliqué à faire, en fait. Hein. Si maintenant on voit le résultat, on s'est amélioré. On est pas mal, là. Hein. Ah non, on est pas mal. C'est le low-tech. Ouais, ça doit être le low-tech. Pour référence, la dernière fois qu'on a fait cette presse, on était à 140. Hein. C'était une catastrophe. Une catastrophe. voilà, par contre, je vais... Oui, continue. Désolé. On tient à vous dire qu'en tout cas, aucun animal ni emoji n'ont été maltraités. Et pour continuer, on va essayer de vous faire une petite démo dans laquelle on vous demandera, s'il vous plaît, de participer. Hein. J'espère que vous n'êtes pas trop chaud. Alors, ça va être très, très physique. Il faut que j'arrive à trouver ma souris. Ouais, parce que l'idée, en fait, c'est que derrière, vous soyez capable de le faire. Donc, on va utiliser mon outil qui marche bien. On va tout de suite. Alors. Non, sinon, il y a des phases de computation. Derrière, avec Teachable Machine, il y a des machines de malades qui tournent. Ça va super vite. Tac. Alors, si j'utilisais les bons. Alors, la première chose qu'on va faire, donc voilà déjà à quoi ressemble Teachable Machine. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer donc un projet audio. Voilà, donc il y a possibilité de faire un projet d'image, un projet posture, etc. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par enregistrer du bruit ambiant. Le bruit ambiant, ça va être essentiellement nous qui allons parler. Voilà. Donc c'est notre classe en fait de bruit de fond sur lequel on n'aura pas forcément de réaction. Ça sera notre fond sonore. Et puis on aura une autre classe où on voudra que vous participiez parce que ça va être votre modèle à vous. Et comme on n'est pas sûr que vous aimez le truc, on va en profiter pour se faire applaudir tout de suite. Donc la classe, on vous demandera d'applaudir en fait. Et on enregistrera ça, au moins on aura au moins ça de prix pour nous.
Voilà, donc là ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai redécoupé derrière donc, toute la frame. Donc c'est exactement la même chose que fait le code Python de l'autre côté, hein, pour avoir justement des images qu'on peut comparer. Donc là, je vais créer, comme l'a dit Louis, une jolie classe supplémentaire de 10 secondes. Et on va vous demander donc d'applaudir pendant 10 secondes. Alors vous inquiétez pas, 10 secondes, on ne fait pas saigner les mains à 10 secondes. Hein. On va compter jusqu'à 3, ce sera plus simple. 1, 2, 3. Merci bon. Beaucoup. Ouais, c'est sympa, ça fait plaisir. Donc voilà, une fois que bah, on a fait pareil, on a redécoupé, on va être derrière en capacité bah, d'entraîner le modèle. Donc, hop. Et donc de lancer l'entraînement. Alors ça va pas prendre beaucoup de temps, hein, ouais. Parce que en gros, il prend les samples qu'on vient d'enregistrer, les upload sur les serveurs et ensuite donc lance le calcul uniquement du dernier layer. Et c'est déjà fini. Donc vous voyez que c'est quand même assez rapide. Et donc là, moi qui suis en train de parler, bah, on voit bien que c'est du bruit de fond. Et voilà. Si vous vous mettez à applaudir. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce modèle, bah, ce n'est pas juste un jouet. C'est-à-dire que pour des besoins relativement simples, ça peut amplement suffire. On pourrait parler d'un jeu de ni oui ni non, c'est relativement pas très drôle, mais bon. Mais en somme, vous pouvez directement, là déjà, l'inclure. Donc que ce soit en JavaScript, que ce soit en P5JS, que ce soit avec du TensorFlow Lite pour de l'Android. Après, le modèle qui est sérialisé, c'est un modèle que vous pouvez ouvrir sur du Keras. Donc vous pouvez très bien le réutiliser, le surentraîner, etc. Vous pouvez le partager. Voilà. Et donc là, ça marche toujours, hein, en principe. Hein. Applaudissez-nous. Voilà. Hein, c'est juste... voilà. Là, ouais. les deux classes sont inversées. Hein, si vous voulez. Elle est bien cette démo, moi j'aime bien. donc voilà. Vous pouvez voir que le bout de code JS, en fait, ça ressemble étrangement au code qu'on a fait. Hein. On a été très créatifs. Ouais, alors sur la partie JS, on vous l'a dit, on est loin d'être des experts. Donc il y avait un truc qui était là devant nous, on l'a pris. Voilà, et si on revient un peu à notre présentation. Tac. Donc ce qu'il faut savoir, bah, c'est qu'une fois que vous avez un peu compris donc, le principe, bah, c'est pas très compliqué de faire à peu près ce que vous voulez. Là, c'est une ancienne version de la prés, où bah, en fait, au lieu de faire réagir la présentation, on faisait réagir une webcam virtuelle qu'on avait montée, et il y avait même un buzzer. Donc, je vous passe le buzzer, on est sympa. C'était l'époque où on était confinés, et du coup, bah, l'interaction, voilà, on avait visuellement une webcam, ça faisait son effet, quoi. Pendant les échanges, d'un seul coup, vous pouvez regarder eux qui apparaissaient à l'écran. Voilà, ça fait rire quelques personnes. Donc, en gros, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est bah, c'est comme le code que vous faites au jour le jour, quoi. Enfin, la seule limitation, c'est votre imagination. Enfin, nous, on a tenté de rajouter typiquement d'autres mots. Hein. Mmh. C'est là où l'effet des mots ne va pas passer. Next. Voilà. Next. Next. Ouais. Next. Voilà. Pour bon. Me mettre devant. C'est le tech, là, c'est l'effet de tech. Next. Voilà. C'est... Voilà. Avec le low-tech, on a essayé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, faites pas la même boulette que nous. C'est-à-dire que nous, quand on a commencé, on s'est lancé à cœur perdu, avec des bonnes vieilles recherches Google. Je vais pas mentir, on a un peu saigné des yeux parce qu'on connaissait rien, quoi. On connaissait absolument rien. Et en fait, il y a un truc qui s'appelle le Up TensorFlow. Donc ça va ressembler un petit peu à GitHub avec des ajouts supplémentaires, c'est-à-dire que vous allez retrouver des tutoriels, des pas à pas, et toute une collection de modèles qui sont déjà pré-entraînés. Là par exemple, juste après ce talk, il y a un autre talk qui va utiliser du GPT-3 pour faire du jeu vidéo. Bah, il est dispo. Vous pouvez réutiliser n'importe quel modèle pour faire à peu près n'importe quoi. Donc ouais, pour vous dire, on était au point, même des fois, on a ouvert des papiers de recherche, quoi, et là, ça piquait vraiment, on ne comprenait rien, et après, on a vu ça. Voilà, ça, on l'a vu relativement tard, on ne va pas se mentir. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu, bah, voilà, ça vous demande tout seul maintenant. Que vous avez appris des choses. Et que voilà. Voilà, si vous avez des questions, bah, on est disponible maintenant, on vous laisse, si vous voulez, 2 secondes les références. Next. Non, on est déjà sur la dernière slide, ça marchera pas ça.
Et voilà, et on est pile poil pour les 5 minutes de questions. Donc là, vous avez plein de liens, Désolé. Notamment si vous voulez voir, il y a un truc qui est très bien qui s'appelle The Coding Train, et pas The Coding Game, où il y a plein de choses, notamment sur le machine learning, et ils s'amusent à faire avec OBS à peu près la même chose qu'on a fait, et puis après il y a des choses sur la backpropagation, il y a des présentations avec le code source, tout ça, c'est disponible sur GitHub, donc vous pouvez regarder, vous pouvez tester votre voix aussi, parce qu'il y a le mode web, voir s'il marche de la même manière que notre voix, parce que chaque voix a ses particularités, donc il faut entraîner toutes les voix en question. Et ça marche sur votre navigateur de téléphone, hein. Voilà. Je tiens à le préciser. Oui. Il n'y a pas de nécessité que ce soit un Chrome, un machin, un bidule avec les derniers supports d'API. Non, non, ça marche. Si vous avez des questions, on a quelques minutes. Merci pour la présentation. J'ai juste une petite question. C'est donc, vous l'avez dit, ça marche sur mobile, mais juste en conso CPU sur un navigateur ou sur téléphone, c'est. En fait, tu n'es plus du tout sur la partie entraînement. Tu es vraiment sur la partie purement exécution. Donc, si on reprend en fait le modèle de base qu'on a vu tout à l'heure, tu ne fais que traverser les couches. Donc, au niveau quantité de calcul, tu es sur des sommes. Je vais y arriver. Voilà. T'es sur des sommes et potentiellement une division ou juste un if. Donc à proprement parler, ça va pas te coûter très très cher. Ce qui coûte très cher, c'est l'entraînement. C'est ça. Oui, d'accord. Mais donc même un flux audio à réaplatir en 2D, etc., comme vous le montrez. Et puis transformer de Fourier, on sait plutôt bien faire. Là, en plus, dans le cas présent, si je dis pas de bêtises, c'est délégué directement au browser le calcul de la transformée. Non, là c'est le backend Wasm, donc ça c'est fait avec la carte graphique là. Bon. Voilà. Vous voyez la carte graphique et l'implémentation en question, elle utilise des vecteurs, donc c'est mis sous forme de vecteurs et c'est envoyé comme ça directement au processeur des cartes graphiques. Donc c'est des GPU qui travaillent. Ok, merci. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Je voulais juste que vous reveniez un petit peu sur la backpropagation. Ce que je comprends, c'est que selon les résultats de la couche d'analyse à la toute fin, de classification à la toute fin, ça, entre guillemets, reconfigure les neurones dans les couches précédentes pour qu'ils soient plus... Non, ça va configurer exactement toute la partie poids. Parce qu'en fait, les poids, initialement, sont aléatoires. Donc, il faut vraiment voir ça comme des valeurs aléatoires. Et donc, on a nos niveaux de gris en entrée. Et on va obtenir donc un résultat qui, au départ, il y a de très grandes chances, soit faux. Et donc ce qui est fait, c'est en gros, c'est du cheat, hein, c'est je reviens en arrière, hein, c'est comme si j'avais des cheat codes dans certains jeux vidéo, et je vais littéralement prendre un à un tous les poids, et les modifier légèrement. Et je fais ça un nombre très 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 important de fois. Après, okay. Pour notre modèle de transfer learning, vu qu'on n'a qu'une seule section de poids entraînée, au final, c'est pas tant que ça. Merci. Ouais. Pour entraîner sur un mot, est-ce qu'il faut le répéter plusieurs fois d'affilée ou est-ce qu'il faut le, par exemple, mettons que c'est une autre voyelle, A, est-ce qu'il faut le faire en continu ou est-ce qu'il faut faire A, 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 A ? Alors, ça dépend ce que tu vas rechercher. Ouais. C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais le silence fait partie du mot en fait. C'est-à-dire que tu vois, ton cheveu blond, il ne doit pas s'afficher. Par contre, un E marqué s'affiche. Et c'est le même concept. C'est-à-dire que là, tu as vu sur la partie Teachable Machine, on a un redécoupage qui est fait. Donc tu as une frame initiale. Et ensuite, si tu veux détecter uniquement donc, ce type de bruit, par exemple l'applaudissement, là on pouvait avoir un truc continu, c'est pas un souci. Parce qu'on ne va pas chercher à l'identifier parmi d'autres. On a deux classes, très simples. Une classe où c'est nous qui parlions, la difficulté est moindre. Dans le cas des mots comme YOLO, ANCO, c'est pas forcément. Enfin, on est obligé de prendre en compte le silence. Donc, oui, typiquement, quand on a entraîné, si vous allez sur le repo GitHub, vous retrouverez nos imbécilités qu'on a pu dire, hein, parce que tout l'audio est disponible. Voilà, hein, vous entendrez même lire des histoires à nos enfants. Et voilà. Je sais pas si ça répond à la question. Ouais. Avec des fois, on a eu des surprises sur certains mots.
Par exemple, on s'est aperçu que quand on disait cheveux blonds, en fait, sur le blond, à un moment donné, il captait YOLO à la place. Donc il a fallu entraîner le blond spécifiquement comme étant un bruit de fond, des choses comme ça, parce que dans son motif de recherche d'image, ça matchait, quoi. Donc il y a deux, trois choses comme ça. On a dû raffiner aussi des seuils de sensibilité pour certains mots, parce que le back et le next étaient trop sensibles. Et par exemple, si on disait backhand, ça se déclenchait. Donc voilà, on a mis des seuils en se disant c'est pas grave si ça se déclenche pas, mais au moins ça va pas faire yo-yo dans la présentation tout le temps, quoi. Il reste le temps pour une dernière question, ouais. Alors je vais répéter la question, le source du modèle venait d'Internet, quel poids ça peut représenter? Alors en fait, c'est une URL. L'URL, en l'occurrence, nous, elle était locale pour limiter un maximum les connexions réseau. Quand on fait du mobile, on peut directement embarquer le modèle TensorFlow dans l'application. La taille que ça représente, il va tout de suite regarder et vous dire ça, mais je crois pas que ce soit très lourd. Très lourd. On va vous mettre. Alors, il faut quand même considérer un petit méga initialement. Voilà, enfin un peu plus qu'un méga même. Voilà. C'est proportionnel au nombre de layers du modèle pour l'essentiel. Là tu vas retrouver par exemple, on va vite finir. Ah, tu vas retrouver par exemple dans weight littéralement tous les poids. Tu n'as pas plus de poids d'un côté ou de l'autre. Je crois qu'on a dépassé pour le suivant. Donc on va sortir pour laisser la place au suivant speaker. Mais si vous avez des questions, on est là. Et si vous avez des feedbacks, des vrais feedbacks humains aussi, on est preneurs. On est complètement preneurs. Merci à vous.